Là, ça concerne les jeunes. On ne peut pas mieux faire pour traiter le sujet. Des jeunes de la Courneuve investis qui se donnent à fond, c'est le feu, quoi. Là, l'idée, c'est quoi? C'est dans un premier temps faire ce brainstorming. Vous pouvez voir le plus loin possible. Toutes les idées peuvent être évoquées. On est parti ce matin de la mairie. On s'est dirigé vers le manoir de Grécy. Le but de cette journée, c'était d'essayer de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes que la jeunesse pouvait rencontrer à la Courneuve. On a des élus, des agents de la mairie qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous faire avancer. Il y a de bonnes idées. À partir du moment où ils sont courneuviens, vous ouvrez le truc à tout le monde. Voilà, ok. Moi, j'aurais proposé ça, des programmes de mobilité tels que Erasmus, faire des réunions d'information parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Moi, j'habite juste derrière les mailles, côté de Cosmonautes. Genre, passé 21h. Il n'y a pas de lumière. C'est Walking Dead et tu ne sais pas sur qui tu tombes, tu vois. Ce genre d'action, ça permet de changer le genre de rapport de force qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire institution. Citoyens et de travailler main dans la main pour construire un avenir qui nous ressemble à tous. On est des jeunes de la Courneuve, donc on sait ce qui va pas, on sait ce qui nous manque, ce dont on a besoin, donc on peut avoir déjà le point de vue de chaque quartier, prendre les bonnes idées des autres, s'entraider en fait. Si par exemple on laissait les associations intervenir dans les lycées ou dans les collèges et tout, ça pourrait permettre aux jeunes de s'investir plus dans la ville. Un groupe de jeunes qui est là, dès qu'il y a une permanence, vous venez. Ah oui, ça attire plus. Ça c'est bien, ça attire plus ou pas? Aujourd'hui, c'est une quinzaine de jeunes qui sont réunis pour travailler sur l'analyse d'une enquête qui a été menée cet été auprès de la jeunesse courneuvienne pour connaître le ressenti des jeunes, leur perception de l'avenir et essayer de sortir de ces résultats des propositions de politique publique. C'est un exercice de démocratie participative. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes courneuviens qui sont soucieux de leur avenir, pas seulement de manière individuelle, que c'est porteur d'espoir. La ville, elle a décidé de demander l'avis aux jeunes, tout simplement parce qu'elle estime qu'il faut du nouveau, entre guillemets, dans la ville. L'avenir, c'est nous, les jeunes. C'est à nous d'apporter les solutions, les idées. Là, sur la droite, ouais.